Bonjour à tous, je m'appelle Romain, 24 ans, toutes mes dents et déjà un tour du monde à mon actif. Un matin, je me suis levé pour continuer à chercher du travail et je suis tombé sur une annonce hors du commun. François recherchait un reporter pour faire le tour du monde. Quoi ? Un reporter autour du monde ? J'ai peut-être le profil. L'écriture me passionne, l'image aussi. Et en fait, je crois que j'ai toujours rêvé d'intégrer le milieu du journalisme. Alors, j'ai décidé de me lancer. Pendant plus d'un an, j'ai partagé ce voyage sur mon blog, alors pourquoi ne pas recommencer pour un grand journal français ? Le voyage, ma passion depuis toujours. Aller à la rencontre des autres, échanger, partager, donner un sourire, en recevoir un en retour. Le voyage, c'est aussi même parfois donner un peu de son temps, parce qu'on oublie trop souvent que le monde n'est pas aussi joli qu'il en a l'air. On prend l'avion pour aller à la découverte de nouvelles cultures, mais aussi de nouveaux horizons. Et puis il y a la façon d'y aller. Moi, le voyage en première classe, je ne connais pas. J'ai toujours voyagé avec le strict minimum. Dormir dans la rue, je connais, et ça ne me dérange pas. Mais pour une fois, je me suis dit que ça serait pas mal de passer de l'autre côté, non ? La seule limite à l'impossible, c'est ton esprit. Ce voyage, si c'était le mien, ça serait aussi le vôtre. Le plaisir que j'ai à coucher mes émotions sur le papier. Cette joie immense que j'éprouve à partager mes aventures. Tout cela, je suis prêt à vous l'offrir à nouveau. Votez pour moi et nous embarquerons tous ensemble sur le même bateau. Dans le même avion, dans le même train, dans la même cage, et peut-être même sur le même éléphant. Il y aura de belles vidéos et il y aura de beaux couchers de soleil. Quoi, vous n'êtes pas encore convaincu ? Je vais quand même pas danser pour vous, non ? Si ? Bon, allez, ok. Mais il emmène avec lui les internautes de tout pays, les plus beaux paysages, situations les plus immondes. Il parcourt la terre et nous donne son ressenti. Run the great white horse of the French Canada, to the fires of the extreme Ushuaia. He's teaching us that we can change our curse. So let's walk in his path and travel the earth. So welcome.